Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Mouyoumed que vous n'avez pas revu peut-être depuis un bon petit moment sur la chaîne. Alors pourquoi il a été remis de côté? Aujourd'hui on n'est pas là vraiment pour parler de ça, mais il a été un petit peu mis de côté on va dire parce que il bossait pas un petit peu bien à l'école. Donc tout simplement je l'ai un petit peu puni du YouTube game. En gros je lui dis voilà de travailler un peu plus. Et après s'il travaille bien, si ses notes se rééméliorent un petit peu, eh bien il peut repasser de temps en temps à la maison faire des vidéos avec moi. Ah non parce que oui, certains disent tu profites de ton frère pour faire des vidéos avec lui. Je n'ai jamais obligé mon frère à faire une vidéo. Ça a toujours été moi d'ailleurs qui t'a demandé de faire des vidéos. Mais même des fois tu me disais non. Et je ne comprends pas pourquoi. Oui. Et d'ailleurs même les gens qui disent ils profitent, mêlez-vous déjà de vos affaires, ce sera déjà bien. Moi si je fais des vidéos, si je suis là, si je rigole aujourd'hui, c'est parce que je l'ai demandé. Et si vous ne me voyez pas, c'est parce que il veut pas que je fasse des vidéos, lui. Dites-lui dans les commentaires. Dites-lui, laisse Momo faire des vidéos. Non, mon petit frère. Déjà encore bon anniversaire, frérot. Et voilà, comme je le dis, de toute façon, certains parlent parce qu'ils sont jaloux. Et ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un frère qui est autant apprécié sur leur chaîne. Le coquinou. Bon, bref, c'est parti. On va aller donc déballer un tout petit peu les petits cadeaux qu'on a offert à Momo. Alors attention, on vous prévient quand même, on prévient toujours les abonnés. Il y a un cadeau. Voilà, il y a un cadeau qu'il connaît déjà et l'autre il connaît pas, ok? On précise. On va vous montrer en même temps le petit gâteau qu'on a acheté pour Momo parce que son anniversaire c'était hier. Et tout simplement, il a fêté chez ma mère et ne l'a pas fêté avec nous. Donc aujourd'hui, il est venu à la maison. On a couru à Faute le Coeur pour l'acheter une paire de chaussures. Mais ils étaient en train de passer l'aspirateur quand on est arrivé. Pourtant, on est arrivé quand même à 54. Normalement, ça ferme à 19h. 18h54 quand même. Voilà, on avait quand même un petit 6 minutes pour choisir une paire de chaussures, vite fait. Bon, bref. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai pas pu acheter tout de suite les cadeaux à Momo, parce que comme vous l'avez pu le voir sur Snap, normalement, aujourd'hui, je suis allé chercher le salon que j'ai acheté à ma grand-mère, parce que je lui ai acheté un petit salon, je suis allé lui chercher, et je suis allé également lui chercher une machine à laver aussi que je lui ai acheté, donc forcément, le temps de descendre son ancien salon, oh, la bagarre dans les escaliers, deuxième étage, pff, la bagarre, mon grand-père, il m'a dit, si ça tenait qu'à moi, j'attraperais les choses et j'attraperais par les fenêtres. Bref, on a tout descendu, on a tout monté, donc forcément, pour aller choisir les cadeaux de Momo, il était un petit peu tard et c'était un peu chaud. Bref, alors on t'a pris un cadeau déjà. Voilà. Lesquels sont lesquels? Donc on va faire un unboxing. Alors je t'offrirai aussi également un casque qui va bientôt arriver. Un casque? Un casque. Parce que des abonnés, ils sont venus me dire ouais tonton hier j'étais avec Momo. Mais ton frère tonton c'est un clochard, il a pas de casque. Parce qu'il paraît. Ouais c'est vrai j'ai pas de casque. Voilà. Non mais parce que dès que je vois la paix j'ai pas de casque, je sais pas pourquoi. T'inquiète. Le packaging est très beau donc on vous montre, voilà. Tais-toi et où? Et t'as pas intérêt à le casser le casque hein? Ouais ouais. Devant les abonnés hein, je te mange en vidéo là. Oh je te fais une Mike Tyson. Une sifflante. Non, Mike Tyson, c'est pas ça. C'est pas une sifflante. C'est un bout d'oreille qui est plus là. Oh, The Last of Us remasterisé. Oui, c'est celui que tu m'avais demandé. Oh, tu me l'as. Merci beaucoup. C'est très gentil. Normalement, tu devais savoir ce que c'était, mais bon, tu me l'avais demandé. T'arrêtais pas de me casser les bonbons avec The Last of Us. Mais je sais pas, parce qu'en fait. Parce qu'il avait regardé mes vidéos dessus, en fait, et il avait kiffé le jeu. Donc, The Last of Us remasterisé. Oh, la qualité, j'imagine. Rien que sur PS3, j'avais joué. Remasterisé, moi, j'ai pas eu la chance de jouer à celui-là, en fait. Sur PS3, j'avais joué, la qualité, elle était magnifique. Alors, sur PS4, ah merde, j'ai laissé le prix. Ah, 50€. Oh, bah, merci beaucoup, hein. Allez, tiens. Pas pensé à enlever les prix. Le packaging, il est très beau. Non mais j'aime bien le packaging, je te jure. Packaging? Il est con ce gamin. Attention. Il déballe. C'est quoi? Oh! Le dernier Resident Evil! Par contre, je vais te demander un service s'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu pourrais aussi me le prêter pour que je puisse streamer dessus? Non! Je rigole, merci. Oh merci Resident Evil. Il est remasterisé lui aussi? Ouais. Oh, il y a le PlayStation VR. Pas remasterisé, ouais. Pas remasterisé, quoi. C'est le nouveau, quoi. Normal, ouais. Quoi. Merci beaucoup. Voilà, quoi. De rien, frérot. Il doit être excellent, lui. Après, donc, on lui a. Je devais l'acheter une paire de chaussures que je vais l'acheter. Je l'achèterai une paire de chaussures. Et normalement, il va bientôt recevoir un casque aussi. Et là, bah, le petit gâteau que je vais acheter tout à l'heure. Je vais acheter un petit gâteau sympa. Et attention, j'ai quel âge? J'ai. Voilà. 13 ans. Et il a encore toutes ses dents. Alhamdoulilah. Il est 13 ans, il est toutes ses dents. Le petit gâteau de Momo, on va aller manger ça. On vous a montré en tout cas les petits cadeaux que Momo a eu. C'est vrai que ça fait un bon petit moment qu'il vous manquait sur la chaîne. Bah aujourd'hui il est venu à la maison faire une petite surprise, il est venu me voir. Donc je lui dis allez, on sort, on va t'acheter quelques petits trucs, quelques petites bricoles. Merci. Parce qu'il devait arriver normalement hier. Non. Demain il devait venir. Demain ouais. Ou hier? Non demain, demain. Hier, bah non, demain, parce qu'hier c'était ton anniversaire. Ah ouais, hier. Donc hier c'était pas possible, il devait arriver demain normalement. Bon, bref, en tout cas j'espère que ces cadeaux t'ont plu.
Merci beaucoup. Tu vas me prêter quand même Resident Evil et je stream quand même dessus ce soir. S'il te plaît. C'était gentil, on verra. Bon, bref. En tout cas, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en compagnie de Mouyou Merde. Ouais. Merci à tous en tout cas de nous suivre. Merci à tous en tout cas tout le temps pour vos gentils commentaires. N'oubliez pas un maximum de likes dans cette vidéo. Et je veux que vous m'explosez pas la barre des likes. La barre des likes, que vous me l'explosez, ça c'est une habitude. C'est habituel. C'est habituel. Les vrais explosent tout le temps la barre des likes. Non. Ce soir, on va vous demander d'exploser autre chose. L'espace commentaire. Je veux des bon anniversaire Mouyou Merde, Mouyou Merde, Mouyou Merde, des partout Mouyou Merde. Attends, tu sais comment il appelle mon hacker? Il y a un hacker, il a dit qu'on avait un mec de notre famille qui s'appelait Stéphane Aridi. Stéphane. J'ai fait une vidéo tout à l'heure sur lui, regarde. On veut me swat et me hacker, il trouve l'adresse de chez moi, il a trouvé l'adresse de avant à Échirol. Stéphane Aridi. On a un Stéphane dans la famille. Je sais pas. Ouais, ouais. Bah Stéphane... voilà, hein, viens faire des vidéos avec nous. Ah, Roya, viens faire des vidéos, hein. Bienvenue. N'hésite pas, Stéphane, hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de tout à l'heure, hein. Vous avez vraiment cassé des putains de barres dessus. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous et de votre Mifa. C'était Tonton et Mouyou Merde. Ciao. Ciao.